Salut à tous, Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FF5 pour la saison, la solution du coffre au trésor et du défi photo. C'est parti les gars. Je vais vous donner les solutions pour les coffres au trésor et les défis photos de cette semaine et pour toutes les semaines qui arriveront. Donc si jamais ça vous plaît et si vous voulez surtout être notifié des prochaines vidéos toutes les saisons avec les solutions, n'hésitez pas à bien vous abonner et à mettre la petite cloche également pour bien recevoir les notifications des vidéos. Vous pouvez évidemment bien sûr commenter, partager et liker, c'est gratuit aussi et ça permet de développer énormément la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui penseront à faire ça. Et au passage, le 31 octobre, il y a un tirage au sort pour une carte cadeau de 20€ sur Steam. Pour ceux qui veulent aller voir sur mon Discord, vous pouvez participer, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Enfin bref, nous on est parti pour faire la solution du défi photo et du coffre trésor. On va commencer par le défi photo, nouveau foyer, photographie, la Nissan Silvia KS Aero de 98. À la maison de joueur Kazabella avec votre personnage en dehors de la voiture. La récompense est il n'en restera qu'un avec 2 points pour le festival. La voiture en question, c'est la voiture avec laquelle je me baladais depuis tout à l'heure sur la map, c'est la Nissan Silvia de 98. Et ensuite, la maison en question, c'est celle-ci, Kazabella, c'est au niveau de Mouléré, donc là où la ville a été redécorée pour cette saison. C'est la première maison d'ailleurs que vous débloquez sur le jeu. Ensuite, bah là, rien de bien compliqué, vous garez à côté de la maison, vous sortez l'appareil photo avec la flèche du haut. Et là ensuite, ce que vous devez bien faire par contre, c'est aller dans les paramètres, notamment mode et effet, et ensuite choisir personnage jusqu'à mettre votre personnage en dehors. Donc la siège connecteur, ça veut dire qu'il est dans votre voiture, et si vous choisissez ensuite d'autres différentes positions, il va se positionner en dehors de la voiture, et là vous allez juste à prendre une petite photo avec votre personnage en dehors de la voiture. Au niveau de la voiture et le personnage dehors, on est bon, la maison aussi, le défi est validé. Le défi photo était plutôt simple, maintenant on passe à la chasse au trésor qui vous donne 100 000 crédits, je vous le rappelle. Indice pour le trésor, poursuivez votre poids à travers le pays, alors que ce grand félin décroche la première place, c'est parti. Au niveau du véhicule bien sûr, c'est le Jaguar I-Pace de 2018. Pour la petite information, ce véhicule est banni en mode multijoueur, donc pour les courses en multijoueur, vous ne pourrez pas l'utiliser. Bien sûr, il n'y a aucun souci à le prendre en baladie, notamment pour ce défi. Ok, le défi au trésor est terminé. Alors l'explication n'était pas très claire, mais ce que vous devez faire, c'est de vous rendre vers une course de cross-country et la gagner. Donc c'est pas très compliqué, vous pouvez prendre celle-ci, par exemple, qui est pas très longue. Et si jamais vous voulez, vous pouvez également prendre cette course-là avec ce code de partage. Et vous aurez une course qui dure 1 seconde, comme ça a été écrit. Elle va se lancer et se terminer instantanément. Ça vous fait gagner comme ça un petit peu de temps, pas besoin de terminer premier, vous allez voir, c'est hyper facile. Bon, maintenant une fois qu'on a réussi le coffre au trésor, il va falloir le récupérer. L'indice, ça donne ça, donc on est vers une ancienne maison, un truc comme ça, avec un coffre au trésor, on va voir où ça se passe. Au niveau de l'emplacement, on est à côté de Mouléré, donc il n'y a pas de souci. Je vois plus ou moins où ça peut être. L'endroit pour le coffre au trésor, c'est ici. Il y a d'ailleurs un panneau XP à récupérer, c'est vraiment à cet endroit-là en particulier, sur l'espèce de montagne qu'il peut avoir à Mouléré. Au niveau de l'endroit du rassemblement, ça bat de l'aile, il faut se rendre à cet endroit. Et juste devant vous, vous aurez le fameux coffre au trésor, juste devant la magnifique bâtisse, une espèce de monastère, je sais pas exactement, franchement c'est super joli comme endroit, avec une jolie vue derrière sur la ville. Et puis ensuite, eh bien, vous récupérez le coffre au trésor avec les 100 000 crédits, les fameux 100 000 crédits qui font grave plaisir. Enfin bref, si jamais cette vidéo vous a plu, pensez bien à vous abonner, pensez bien à liker, à aller participer au concours sur Discord, vous avez également mon TikTok et tous mes réseaux en description pour ceux qui veulent aller le voir. Et puis écoutez, je vais pouvoir vous dire à la semaine prochaine pour la prochaine solution coffre au trésor et défi photo. C'est Alex, bonne soirée à tout le monde.